Ok, alors j'espère qu'on m'entend bien. Donc je viens de mettre le micro là. Bon, pour le chapeau jaune, ça va être un peu difficile de le garder, sachant que j'ai le casque ce soir. Mais bon, on va voir, je vais essayer de gérer avec. C'est un peu bizarre d'avoir le casque et le chapeau, les deux. Faudrait que j'enlève le casque éventuellement, mais comme j'ai mis le son par rapport au casque, ça va être compliqué. Bon, alors du coup, j'attends juste le retour que vous m'entendez bien. Et puis j'ai lancé le jeu du coup. Alors, on va lancer le jeu déjà. Ok, vous m'entendez, ça marche. Alors là, le jeu est lancé. Normalement, vous devriez le voir apparaître sous peu. Si c'est pas le cas, je le verrai.
Parce que comme j'ai le retour sur la télé. Ouais, par contre, j'ai pas mis la fenêtre de capture des commentaires. Ça faudrait que je fasse quand même. Juste attendre de voir qui a bien le. Ouais, c'est bon, il y a le son du jeu, très bien. Par contre, le programme pour lire les commentaires, je lance. Alors voilà, je mets petits réglages, hein. Et puis après on lance. Alors sélectionner la région. Ok. Voilà. C'est bon. Au moins, je vois si jamais vous écrivez. Donc, on va continuer. Alors, est-ce qu'on peut continuer directement? J'ai chargé la partie, la dernière. L'autre game, voilà. Puis, je prends la manette. Il fait super chaud là. Ah là là. Et vous me faites porter un chapeau. Dis donc. Qu'est-ce qu'il faut pas faire hein, pour les viewers? Ça va vous sinon? Comment ça se passe en Alsace? Pas trop chaud? Le temps de chargement. Ça va. Par contre, alors, j'ai un petit truc à régler. Il faut que j'enlève le message de début de stream, parce que le stream va commencer. Hop. Juste bien. D'accord. Ah, vous êtes du bol alors. Pourquoi restart? Attends. C'est quoi ce bordel? Il m'a pas chargé la partie, hein? J'avais demandé. Ah, voilà. Ouais, donc je me souviens. La dernière fois, on était dans cette pièce où il y avait plein de livres. Et puis après, je sais pas ce qu'il faut faire. On avait échappé à la créature là qui avait des longs bras. Et on s'est enfermé dans cette pièce où il y a plein de livres. Ouais, bon, a priori, là, je pense que niveau retour d'image, on n'est pas trop mal. On a une qualité plutôt correcte. Par contre, je me souviens plus, c'était quoi pour. Ah, ouais, c'était ça pour aller replay. Je me souviens plus trop des commandes, comme ça fait une semaine que j'ai joué. Alors, on voit qu'il y a un piano là qui pendouille en l'air. Je sais pas, est-ce que c'est. Il se blesse? Non, je pense pas. Je peux sauter, a priori. On va allumer le briquet parce que on voit pas grand chose.
J'ai pas encore exploré la pièce, hein, donc c'est ce que je fais là pour l'instant. Ah, un petit lutin. Comment on court déjà? C'est pour se baisser. Je crois que c'est ça, courir, c'est... C'est le carré, il me semble. Alors, je sais pas où est passé le petit lutin. C'est quoi là par terre? Je sais pas. Ah, j'ai pas essayé si je pouvais grimper à la bibliothèque là à côté. Ouais, apparemment si. Pas tout en haut. Ou alors il faut que je saute vraiment de la pile de livres jusqu'à la bibliothèque. Je sais pas. Ou alors peut-être sur la bibliothèque du fond. Aïe, non. J'ai pas réussi. Ah là là, je vois rien dans le noir. Forcément, après tu tombes. Ne me dites pas tout de suite, ouais, laissez-moi chercher un petit peu, pour l'instant je vais voir si, ce que j'ai comme possibilité. Après, si franchement je galère trop, je vous le dirai. Par contre, je sais pas si j'arriverai à... Ah, non, j'arrive pas à m'accrocher là, ou alors j'ai mal fait le saut. Je sais pas. Je me souviens plus des éléments de gameplay. Comment ça fonctionnait? Les commandes. J'ai juste regardé les. Je peux pas voir le contrôle. Alors. Donc lumière, saut, attraper. C'est quoi la R3 lighter? Ok, il n'y a pas grand chose en fait. Et donc c'est allumer et éteindre le briquet, d'accord. Bon. Pour l'instant là j'ai pas d'idée. Et franchement là j'ai aucune idée de où est-ce qu'il faut aller. Il y a des lutins de partout là. On va juste déplacer la fenêtre enfin, du dialogue, du chat là. Aïe, je crois que j'ai perdu le son. Ah, c'est mieux. Il n'arrive pas à faire le saut de là. Ok. C'est
Ça me semble pas tellement évident. Alors, le piano, qu'est-ce qu'on peut en faire? Une autre bibliothèque là-haut. Il faudrait pouvoir y accéder. Ah, mais attends. Bah, pourquoi avant je pouvais pas grimper? Je pensais que je pouvais pas grimper plus haut. Ok. Oula. Ça va pas attirer la bestiole quand même. Je m'amuse. Hein. Bon. En fait, c'était juste ça. Ok. Par contre, faut peut-être attendre que ça se balance de l'autre côté pour faire le saut. Merde. Ah! Je me suis loupé. Je vais pas accrocher. Assez vite la bibliothèque. Bon, on va reprendre. Non. Eh non. Ça fait bizarre, j'ai l'impression que tout angle à l'écran. Bon. Non! Ah! J'arrive pas à faire ce saut, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, il a sauté, mais pas là. Bon. Que j'ai pas fait comme avant. Ah, merci, oui, j'ai vu que je tombais comme une crotte. Bon. Non mais. Attends, donc du coup, je vais pas prendre d'élan, je vais juste sauter, peut-être. Ouais. Parce que moi, quand je cours, ou alors j'ai. C'est parce que j'ai pas appuyé. J'ai réussi à appuyer sur le bouton de cours pour courir. Et j'ai pas sauté. Ensuite, du coup. Bah, mais voilà, ça le fait de nouveau, ça. Attends, c'était quoi le bouton? Mais c'est bien X. Alors pourquoi il veut pas sauter? Alors c'est parce que j'appuie sur la gâchette de gauche en même temps. C'est pour ça qu'il saute pas. Bon, ouais c'est ça. Faut pas que je sais pas ce bruit là. Ok, bon. Qu'est-ce qui se passe? Oh là, il y a un truc. Il est là-haut? Mais qu'est-ce qu'il fait là-haut? Ça m'arrange pas, ça. Il est reparti ou pas? Parce que je sais pas. Qu'il est plus là. J'ai pas confiance, hein. Je sais pas si j'ai très envie d'aller là-bas.
Il est encore là, hein? Il va venir là, je sens pas. Je sens pas du tout. Je suis pas rassuré, hein. Franchement, là, je suis pas rassuré. Comment je continue? Je sais pas. Non, 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 accroche-toi! Ah! Bon. On est bien. Je suis désolé, mais je l'ai enlevé parce que j'ai chaud là. Et en plus, ça commence à me faire galérer ce passage. Ah, ils m'ont mis là-haut. Ah, purée. Ouais, ça va. Ça a pas été trop moche. Ils m'ont remis là-haut. Putain, mais comment je redescends? Non, non. Et là, j'y arrive pas. Comment il s'accroche? Je sais, je comprends pas là. Il y a un truc à faire. Ouais. Il peut plus redescendre. Qu'est-ce qui se passe? Là, je vais juste redescendre en fait. Je sais pas qui saute. Redescends pas. Comment ça redescend pas? Ah non, je vais quand même pas aller là où il y a le. Et là, il est là, il est juste à côté, il bouge. Je vais pas y aller. C'est quand même pas là-bas. Si, c'est par là, purée, non. Voilà. Mais non, mais. Bon, ok. Bon, bah c'est par là, hein, visiblement. Il est là-haut. Il est en train de fouiller les armoires. J'espère qu'il met pas la main vers chez moi. Sérieusement. Bon. Je vois pas là, qu'est-ce qui se passe? Ah. Voilà. Non! Oh merde! Oh merde! Mais non, pourquoi t'as pris le cube? Lance-le! Lance le cube, comment tu fais? Ouais, bah il fonctionne au bruit, oui, j'ai vu. Merci. J'ai bien vu qu'il fonctionnait au bruit. Je sais. Mais moi, j'avais pas prévu de faire tomber le cube. Bah, bien sûr, il te fout des obstacles en plein milieu. Bon. Allez, calme, on se calme. Je suis pas rassuré, hein. Nettement pas rassuré. Allez, la vaisselle. Merci, merveilleux. Une boîte à meux en plus. Ok. Voilà, il monte, il revient. Bon. Est-ce que je peux descendre sans risque? Oula là, oula.
Oulala, il y a des grincements. Le plancher grince. Étrangement, il ne m'a pas repéré. Mais ça ne saurait tarder. Ah là là, je sens que... Je sens pas de passer sur le plancher. Alors, j'ai juste. Vous allez pas entendre de son un petit moment là. Ce jeu. Faut juste que je. Je déplace la fenêtre de chat qui me gêne. Par contre, là, ces bruits. Ce serait bien qu'il n'y ait pas ces bruits là de plancher. Parce que je sens qu'il va venir. Il va débouler. La poignée est là. Ok. Donc c'est la poignée, je pense, de... Il faut ramener de l'autre côté. Donc il y a autre chose à faire dans cette pièce. Ça doit sûrement... faire un truc avec le piano. Ça, je vois pas trop. Est-ce qu'elle peut grimper? Non. Alors elle peut pas grimper, donc il n'y a que la manivelle. Le matin, il faut bien que je ressorte d'une manière ou d'une autre. Bon, alors comment on ressort? La porte, c'est pas possible. La manivelle, je pense pas qu'elle ait assez de force pour la lancer. En plus, si elle la lance, elle risque de se faire repérer par la bestiole. Ah ouais, cherche un peu. Bah, je suis en train de chercher. Alors la bestiole. Non, on va pas la tirer ici pour qu'elle nous ouvre la porte. Non, sérieusement. Non, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie de faire ça, moi. Je suis une flippette, moi j'ai pas envie. Bon. C'était quoi lancer le... l'objet? Ça a pas l'air de la faire venir, hein. Je sais pas. J'ai dû louper quelque chose. C'est cette chaise, peut-être qu'on peut l'utiliser. Après, elle bouge pas. J'ai loupé quelque chose. Non mais si je déplace la valise... Non mais je peux même pas la déplacer. C'est comment pour pousser? Je sais pas, non je crois pas. Qu'est-ce que j'ai loupé?
comment on utilise ce truc là. Ah ouais, mais ça fait du bruit, mais ça l'attire pas. Et après, ah, la télé! Est-ce que je peux allumer la télé? Bon, attends. Le problème c'est que je suis pas sûr là, le plancher grince. Je sens pas du tout. Oh, la boîte elle est devant moi. Ouais, mais il bouge pas là, il squatte la porte. Non. Ouais. J'ai pas beaucoup parlé durant cette phase parce que j'étais en stress. Je me suis dit, oh purée, t'es tout prêt là. Oh putain, il va venir. Ça, c'est le bruit. Non, ah merde. J'aurais dû attendre avant de sauter. J'ai tellement peur qu'il vienne, que je l'ai aux fesses, que j'ai sauté direct. Ouais, je suis bon pour reprendre maintenant. Ah, je suis obligé de la refaire. Ah là là, ils m'ont même pas remis... l'autre endroit. Bon, allez. Alors pourquoi top? Je suis à côté, il appuie pas. Vous sentez le gars qui est un peu stressé, qui parle plus. T'as mal à les boules. Ah voilà, c'est moi. En plus, c'est flippant avec cette musique de la télévision là qui. En général, je parle beaucoup plus dans les jeux, mais là, c'est. Ah là là, mais ça va reprendre. Bon. Par contre, le truc, c'est que...
Non mais... Ah! Putain, non! Ah putain, il m'a chopé! bonsoir Mia. Il vient de me choper, juste avant que je saute. Ah non, je le hais. Je le hais. Il m'a chopé avec son sale bras là. Énorme ce jeu, ouais. Ouais, il est flippant, hein, franchement. Bon, désolé, hein, je parle pas beaucoup dans cette phase-là. Vous comprendrez pourquoi. Laisse seulement la télé, reste à la télé. Ça me va très bien. Bon. Bah avant de tourner la manivelle, j'ai changé de côté le chat. Est-ce que... Voilà, c'est mieux. Que je vois mon action. Du coup... Non, non, non. Ah! Merde. J'ai foiré le mouvement. Mais pourquoi il le fait pas? Mais bon. J'ai foiré mon mouvement de manivelle, du coup... Du coup, c'est pas passé. C'est pas vrai, ça. Ça là, à la télé, allez, allez, appuie. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il appuie pas? Ah salut Sixzadi, ça va bien? Désolé, partie un peu stressante, hein. Je vous lirai un peu plus après sur le chat. Mais... Je suis un peu poursuivi. Stress, cette musique. Ouais. Bon, ouais, c'est pas foiré comme. Mais... Ouais, il le fait pas assez vite. Ah non mais... Ah mais comment on peut être aussi quiche, sérieusement? J'ai pas sauté droit sur le piano, c'est ça? Mon dieu... Non, ça va pas. ça va pas là, ça me stresse. Ah là là... J'ai tellement peur de me faire choper que je fais n'importe quoi. Thank you.
fer. Et ferme le briquet. Allez. Ça ira mieux après, je pense. Je retourne pas. Je crois que c'est un des jeux d'horreur que j'ai joué qui est le plus stressant. Question stress, il est pas mal, hein, franchement. Mais j'ai un problème pour tourner la manivelle. Je sais pas, j'ai du mal avec le mouvement. Là, genre ça. À des moments, ça s'arrête. Allez, allez, mais putain, il le fait pas. Tourne. Mais. Putain, là, j'ai nouveau me foirer. Ah, c'est bon. J'espère qu'il passe pas là. J'espère qu'il passe pas. Attends. Faudrait que j'arrive à sauter. Oh purée. Ok. C'est bon, c'est passé. Voilà, voilà. Tout ça pour ça. Ok, un petit chariot. On peut tirer. Là, je pense que c'est pour bloquer le flux d'air là qui sort de gaz. Je sais pas comment on passe. C'est de l'autre côté. Ouais, c'est bon. Non. Très bien. Est-ce que je peux passer? Est-ce que je peux sauter là-haut? Non, ça marche pas. Je peux pas sauter dessus? Ah si, ouais, c'est pour ça. Je ne m'étais pas accroché. Ok, il y a une porte là. Ah oui, là maintenant je peux tirer le chariot jusqu'à la porte. Bah, il roule tout seul en fait. Ouais, j'espère qu'il n'y a rien derrière la porte direct parce que. Ok, on y est, c'est bon. Alors, normalement on peut sauter sur la clenche. Ah, c'est bon, ça passe. Ah, je sens que mes amis des sangsues vont pas tarder à arriver. Ok. J'espère que ça va sur le chat, hein, parce que enfin, je pense que ça va mieux que moi. Parce que là, je suis un peu dans la merde, comme on dit. Alors. Je crois que j'ai dû louper quelque chose. Ok. Ouais, tu as déjà joué à ce jeu, Daddy, ou pas?
T'as déjà vu des streams dessus ou t'y as joué? Je sais que Patchouli l'a terminé en fait. Ah, tu ne le connais pas. Oh putain. Oh putain. Oh merde. Oh le piège. Ah le piège, ces salauds. Les sadiques. Ah, je suis dégoûté. Alors là, franchement. Ah, je m'y attendais pas du tout. Alors t'as une main, après t'as l'autre derrière. Franchement. Mais sur le coup, moi j'ai eu peur, j'ai vu la main sortir, je suis allé vite derrière. Et je me suis fait choper, bien sûr. C'est tellement horrible, ce passage-là, mais c'est... Il y a deux mains là maintenant, je suis pas assez... Attends. Ouais, je vais attendre que la main remonte en haut et après j'y vais. C'est horrible, hein. Et il a des mains baladeuses là, ce mec. C'est horrible. Ok. Bon, ça n'a pas l'air mieux comme endroit. C'est quoi ces bruits de tam-tam là? Non, 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 putain. Non mais... Mais qu'est-ce qu'ils ont foutu direct là, quoi? Mais bon, ça va, tue-moi si déjà tu m'as chopé. On abrège. Bon, je crois que je vais courir, hein. Mais putain, il est trop rapide. Il est trop rapide. Bon. Non, 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 non. Ah merde, fallait que je me baisse. Fallait que je me baisse. J'ai pas fait. Ok, je cours, je me baisse. Je cours, je cours, je cours. Hop, purée. Voilà. Ah, non, non, non. Putain, ne fais pas ça. J'espère qu'il a pas le bras assez long. Ah, si, il a les bras tellement longs en plus. Non, mais. Ah, non, non, non. Ah, il me touche. Mal, je suis extrêmement mal. Où est-ce que je vais? Ah là là, je sais pas. Je sais pas ce que je dois faire. si je bouge, et ben non, il m'a chopé là. C'est bizarre, j'ai pas bougé pourtant. Non mais. Et me mettre là, c'est pas possible qu'il y ait une raison. Et purée, et en plus, pourquoi il fait un bruit comme ça, comme si. Je sais pas, c'est un bruit de paix quoi. C'est un peu n'importe quoi, je comprends rien. Ouais, attends, à part la grille là, je vois pas où aller. Un autre endroit où grimper là, moi je vois pas. Alors là, je sais pas. Attends. Il doit y avoir une solution, mais je le vois pas là. Non, mais. Non, mais non. Attends, il te laisse même pas le temps de réfléchir, quoi. Ok. Admettons que je grimpe là-haut. Après, je vais où?
Bah, elle est sur le bras, hein, quand même. Ouais, il peut pas arrêter là. Ouais, mais c'est vrai, c'est un bruit. Je sais pas, je comprends pas le bruit adapté. Le bruit n'est pas adapté, hein, genre, ouais. A priori, là, quand je suis accroché, il arrive pas à me choper avec ses mains. Ouais, je vois que vous me laissez chercher un. C'est bien de me laisser chercher un. Mais là, je suis un petit peu perplexe. Là, il y a une espèce de trappe dans le mur. Mais bon, what? Comment on l'ouvre? Non, non, il va me choper là. Il va me choper, il va me choper. Je redescends. Là, je sais pas. Après, là, je peux rien faire avec la trappe. Moi, je pourrais l'ouvrir. Je peux pas sauter. Bon. Non. J'arrive pas. Merde, il m'a chopé. Ouais, franchement, je ne vois pas. Je ne vois pas du tout. Non, mais calmez-vous. Ça me semble pas évident. Ok, je veux bien, là, je vais là, mais après, je suis. Ça sert à rien là, la trappe. Est-ce que je vais déplacer le bac. Ah, peut-être. Est-ce que je peux déplacer le bac? Est-ce qu'il y a un truc que je peux déplacer le. J'ai l'impression de pouvoir le déplacer. Je vais peut-être déplacer le truc avec les grilles là. Je sais pas comment tu fais. Alors le sac avec le linge. Là il veut pas le tirer, il veut rien faire avec. Tout est évident, c'est compliqué. Mais je vois rien d'autre qu'on puisse utiliser en fait. Je sais pas, c'est pas, y a pas possibilité d'interagir avec les trucs.
Ça reste sur place. Bon. Comment se faire pour se débarrasser? Bah, par faire du bruit quelque part, soit attirer ailleurs, je vois pas. Bon, alors je sais pas. Ah, mais y a rien pour faire du bruit. Hein. Ça m'embête de rester bloqué sur ce passage-là. Parce que là, je vois pas du tout. T'as pas un autre indice à part ça? Parce que... Ok, je veux bien faire du bruit. Mais ça va pas le faire partir. Je vois pas comment. Ce qui bloque la porte, le cadenas là. Ah non, ah. Ah oui, merde, d'accord. Le truc, du coup. Ouais, bon, il faudrait que je fasse un moment où il a les deux bras enlevés. Non mais il me chope en fait. En fait, je sais pas parce qu'il me repère, donc comment j'accède au... Ah si, j'ai compris, mais... Le problème c'est que je me fais choper, je me fais attraper. Là, tu vois, je peux pas descendre sans me faire attraper. Là, il va me choper avec la... Là, il me chope à chaque fois. Juste l'éviter, facile à dire. Hein. Ah, c'est peut-être parce que j'ai fait trop de bruit. Il sait pas, il ne peut pas, il reste planté là. Vas-y, pourquoi il tire pas là? Ah, là j'étais en train de tirer dessus, non, ça marchait pas. Non mais... Bon, je suis pas doué en esquive là sur ce... Honnêtement, God of War, il est moins difficile. Mais non, mais... Bon, faut que je trouve une opportunité pour passer.
non, mais. Oh, mais là, franchement, comment il a pu me toucher là? J'étais à 2 mètres. Peut-être pas 2 mètres. Mais là, mais. Non, attends, bon. Ok. Je vais retourner sur le. Retourner là un temps. Là, donc il fout sa main là en l'air. Faut que je refasse ça en fait. Bon alors, vite, allez! Non, c'est pas assez rapide. Moi j'ai réussi à enlever une barre. Non mais te remettre au même endroit aussi. J'aime pas ses mains, franchement. Là, il y a la main qui revient. Ah, c'est bon. Ok. J'espère qu'elle est bien coincée là, parce que ça m'arrangerait, je vous avouerai. Furé. Ce passage, il est chiant. Terriblement chiant, hein. Ok, bon, ça c'est fait. Ça va vous, sinon? Parce que là... Ah bah tiens, mais je me réveille où? Okay. Ah, visiblement il pleut. C'est sans doute à l'extérieur là. Ou alors on se rapproche de l'extérieur. Ah, il y a des crochets qui circulent. J'aime pas beaucoup ça. Oula, c'est quoi ça? C'est à toi qu'il faut demander ça, ouais, j'avoue. Alors, c'est de s'accrocher à un des crochets. Ah non, ou non, pas au crochet, au sac là qui se balade, je pense. Ah, donc il y a un des sacs. S'il revient. Ouais, c'est bon, il est là. Ah mais pourquoi?
Non, reviens. Là, là. Oh, putain, c'est pas possible. Je suis pas doué pour attraper les sacs, hein. C'est là, j'aurais peut-être plus d'opportunités. Non, je peux pas. Pourquoi il veut pas? C'est quand même accroché en fait. Bon bah voilà, c'est quand même le crochet. Je suis pas sûr d'avoir. C'est le bon choix là. Voilà, c'est somme toute très inquiétant. Ok, il y a eu un petit freeze là a priori sur le jeu. Ah, la gamine commence à avoir faim de nouveau. J'ai intérêt à trouver de la nourriture vite fait. Un rat à bouffer là, on sait jamais hein, quand t'as rien à te mettre sous la dent. C'est une tapette à souris ça. Où est-ce qu'il y a un morceau de viande? Ah non, je sens venir le truc, elle va se bouffer le rat. Ah, ça va être dégueulasse. Bon, âme sensible s'abstenir. Hein. Ok. Bon, quand t'as faim, t'as faim. Hein. Ça aurait été mieux un Twix, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Elle est chelou quand même cette gamine. Hein. J'aime bien la musique. C'est plutôt sympa. Ça a l'air tranquille, là, il n'y a pas le gars avec les longs bras. J'espère qu'il est toujours coincé d'ailleurs. Il n'y avait pas un truc, non. Oui. L'ambiance est sympa. Là, il y a du sang. J'aime pas trop ça. Je sens que je vais avoir des surprises. Un chariot qui tangue. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Si on peut le pousser. Et il bouge de nouveau. Il y a des belles traces de sang sur le mur. Bon, on va voir ce qu'il y a derrière la porte, si on peut regarder. Non, ça marche pas. Bon. Non, non. Ah! Peux-tu rester en place?
Voilà. Bon. Oh là là. Ça sent. Là, il y a quelqu'un qui fait des trucs dans cette pièce. Donc, il va pas falloir qu'on nous remarque. Alors, c'est quoi? Une carotte? Ah bah tiens, bizarrement, les carottes, elle en mange pas. Hein. Elle veut que des rats crevés. Elle est pas végane, hein, visiblement. Et je me balade avec ma carotte pour pas me faire garrotter. Ah. Ok, il a l'air sympathique lui aussi. Ok. Oh putain, il m'a vu? Il m'a vu. Mais oui, bien sûr qu'il m'a vu. Non, mais non! Ok, non, non, non. Ah non, mais c'est dégueulasse. Ils vont pas nous montrer ça. Oh, ils mettent un noir. Ah, ça va. Ils nous montrent pas. Mais bon. On sait ce qui nous arrive. Alors, si je lance un navet, peut-être. Non, ça marche pas. En fait, je sais pas à quoi, comment il nous repère. Ce jeu. Non, non, mais. Pas ça, bordel. Vite, cours, 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 putain, cours. Tu vas courir. Putain! Ah putain, il y a une canaille! Il y a une canaille! Je suis mal! Merde! J'ai essayé de grimper sur l'étagère, ça n'a pas fonctionné. Bon. Ah oh là là! Quelle horreur! Il y a encore pire que l'autre, je crois. Ça va, vous disiez plus rien sur le chat? Il y a un trou ici. Il faut rester sous les meubles sans doute. Non, j'attends que. Qu'il se barre. Je crois qu'il entend mes battements de cœur en fait. Ok, super. Il est passé dans l'autre pièce, là, c'est justement celle où. Ça marre bien, mais tu m'étonnes. Il passe justement dans l'autre pièce où je suis censé aller. Vous marrez, bah ouais, mais c'est pour moi c'est moins drôle. Ok, il va revenir. Il est en train de poivrer la soupe là, je sais pas quoi. Quoi, une clochette?
Allez, on se planque. On bouge pas. Bien sûr, il passe du côté de la table où je suis. Ah putain, il fouille sous la table en plus. Ah putain, il a regardé sous la table. Putain, il m'a vu. Vite, mais monte! Putain! Non! Putain, il m'a de nouveau chopé, quoi. Il est trop rapide! Il est trop rapide. Bon. Ok, donc il passe forcément dans l'autre pièce. Oh, je suis là. Ok, bon, ça sert à rien. Putain, il va pas passer par là quand même. Y'a aucune raison d'y aller. Oh là là. Le cadenas, je sais comment. Il y a une clé. Une clé à récupérer, c'est ça? Je suis sûr qu'il m'a calé à cause du bruit. Sans venir. Ah non, c'est bon. Bon. J'aurai ma dose de stress là. Non, 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 non. Putain, le con. Tu m'as pas vu, tu m'as pas vu, tu m'as pas entendu, s'il te plaît, s'il te plaît. Bon. On peut lui gâcher sa soupe peut-être en jetant des trucs mauvais dedans. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout ce que je vais faire avec ça.
Je sais pas. Ah là, il y a des trucs. Okay. Et moi, je peux grimper. Il y a un truc. Ah mais je sais pas où ça me mène en fait. Ah, ok. Donc c'était bien ça. On a pas qu'il y a quelqu'un qui aille aux toilettes à ce moment-là. Bon, ok, on est bon. Pour l'instant, on est bon. Là, je sens qu'il y a un truc pas cool qui va nous arriver. Une porte avec un œil. J'entends du bruit. Ça. Elle m'a pas remis à l'étage du dessous quand même. Oh merde! Ah c'est bon, je peux remonter. Ouais, j'ai eu peur là, franchement. Si j'aime me retaper le reste, ça va pas être cool. J'entends une porte qui grince. Vous entendez cette musique? Elle est chelou, hein, elle est bizarre. Je sais pas ce que c'est. Ça présage rien de bon. Et là, une pièce sombre. Il y a des ronflements. Il est en train de dormir. C'est le cuistot? Je crois qu'il était en bas. Ah, il y a la clé. Oh là, je sens venir le truc. Je sens venir. Il va falloir courir. Putain. 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 Non, 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 non. Ah, je vais pas assez vite. Je vais pas assez vite. Ah putain, il est trop rapide. Bon, voilà, j'espère que vous en avez pour notre argent là. Parce que. Ouais, bah ouais, tu peux pleurer là, Daddy, c'est pas très drôle. En plus, je sentais venir, hein. Bon, je trace direct. Ouais, c'est essentiel si vous amusez. Alors, a priori, il va falloir que je cours rapidement. Vite, chope la clé, vite. Faut que je prenne l'ascenseur. Ah merde! Ah ouais, mais Nathan, l'ascenseur est fermé! Ah ouais, faut que je pense à ouvrir l'ascenseur avant, quoi. Ok.
Bon. Ah mais elle est tellement rapide aussi, comment je vais faire? Bon. Ah merde! Ah mais non, mais non! Ah ça va peut-être... Ça va être tourné à mon avantage, je crois, le fait qu'il me cherche sous. J'ai bien fait. Bon, théoriquement, il est plus là. Moi qui ai un deuxième cuistot. Ah merde, il y a un deuxième cuistot. C'était pas prévu ça. Ils sont plusieurs en fait. Merde, ouvre la porte. Et il y a quand même pas encore un cuistot ici. Non. Par contre, il risque d'arriver là. J'aime pas ça. Je vais pas refermer la porte là. Bon, il a pas l'air d'avoir capté, ça va. Ah, bon. Je vais pas refermer cette porte là. Non, là, on peut pas. On va passer par là. Ah non, attends, c'est encore un endroit où il y a un cuistot là. Avec des saucisses partout, c'est le cauchemar des vegans ici. C'est incroyable. Ah non, mais franchement, j'aurais dû mettre interdiction aux vegans pour le stream. Aïe, attends, y'a quoi là? Je peux pas rentrer là-dedans, non, ça marche pas. Aïe, bon. J'ai un problème de perspective, j'arrive pas à choper la manette. Ah, le truc qui pendouille là. Ah, voilà. Ok, donc c'est nous, on doit faire le boudin, super. Je vois pas trop pourquoi, mais... Pourquoi on doit faire des saucisses? Je pense que faut que je refasse. Ou alors je fais ça pour rien. Il se passe quoi? Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui tombe en fait.
Je suis censé faire quoi du coup? Ah, peut-être grimper là. Non, ça marche pas. Faire quoi? Est-ce que je vais rentrer dans le... Ah, dans le sas là? Dans l'ascenseur? Mini-ascenseur? Non. J'arrive pas, hein. Tiens, voilà du boudin. Ouais, tu l'as... J'y ai pensé, c'est pour ça que j'ai dit fais du boudin. Ah, j'arrive vraiment pas à sauter là-dedans. Ah, peut-être le banc, peut-être on peut tirer le banc. Non, ça marche pas. Le problème c'est que je sais pas hein, ce que je peux en faire. Ah, peut-être. Je sais pas. Ah, si! Je vais lancer les saucisses là-haut. Et peut-être les jeter dans le. Ouais, mais comment je peux jeter les. Je peux pas les jeter comme ça. Non, ça marche pas. Théoriquement, je pense qu'il faut un une saucisse assez longue pour pouvoir se balancer dans le trou là qu'il y a de... Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de matière à faire. Une saucisse assez longue. Ouais, bon, je crois qu'il y en a qui se marrent parce que je parle de saucisse. Mais... Alors, bon. Réfléchissons. Comment on peut faire ça? Et là, il y a des tiroirs, mais je peux pas m'y accrocher. Je vois pas, hein. Comment je fais, moi, pour faire tomber de la viande là-dedans? C'est un saut de saucisse, là, mais... Est-ce que j'ai un endroit où je peux grimper? Je l'ai pas vu. Ah, peut-être. En déplaçant le saut de saucisse, je peux accéder à l'ascenseur, peut-être. Petit ascenseur. Non. J'ai pas l'impression de pouvoir déplacer le saut là. Je sais pas. A priori non. Ouais, le banc n'est pas déplaçable, le saut non plus. Donc je sais quoi. Ça, je peux pas grimper. Je peux pas grimper plus haut. Quelqu'un a une idée? Là, je vois pas. Vous avez le droit de suggérer une idée. Si vous avez. Ah, peut-être se balancer.
Ouais, mais le monte charge, j'ai essayé. J'arrive pas à rentrer dedans. Alors je me démerde mal pour sauter. Ah, ouais, j'ai mal fait. J'avais mal fait. C'était quand même le monte charge. Ok, donc là c'est a priori on a de la viande, on a de la matière. Je vois pas qu'il y a un cuistot qui arrive. S'il y a une porte, non, on peut pas y aller. Si je peux en faire tomber d'autres. Ah merde. Bon. Ok, on va refaire. Pourquoi il lâche? Tu t'es viandé. Bravo, bravo, joli. Super. Là, c'est du jeu de mots. Ah là 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 là. Ouais, c'est bien viandé. Ah, voilà. Ok, il fallait rester. Bon. Si ça fait assez de viande. Votre avis, est-ce qu'il y en aura assez? On va partir là-dessus. Hein. On va se dire que c'est bon. Allez, on va tirer. Pour voir ce que ça donne. Ah non, non, non. La ficelle de saucisse est-elle assez longue? La corde de saucisse. Wow. Ouais, a priori c'est bon. Ah merde, ouais. Non. Il n'était pas en face du trou. C'est mieux. Voilà, on est passé. Nickel. Ok. C'est bon. Une chambre froide avec de la viande, comme par hasard. Ok. Alors, il n'y a pas de cuistot, j'imagine, ici. Enfin, j'espère. Par contre, la chambre est ouverte. Ok.
qu'il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas loin. Donc a priori, on n'est pas safe. Ah, il faut une clé. De nouveau une clé. Et là on sent venir le cuistot. Eh oui, bien sûr. Ah merde, mais putain, il m'a vu. Ok, bon. Je récupère direct. Je sentais venir. Bon, il va falloir repérer les lieux et voir ce qu'on peut faire. Oh, il est échappé. Il y a un trou ici. Ouais, je peux rentrer là-dedans. Ok. Faut vraiment que je cours. Hein. Alors, je fais ça. Et après, je me barre. Voilà. Je me planque et je sors quand il part. Oula! Non, attends. Ouais. C'était pas prévu ça. Un vieux fromage. Là, je sens qu'il va me faire une feinte. Là. Je peux prendre l'ascenseur directement. Ah, c'est bon. Mais le problème, c'est qu'il m'a vu. Est-ce qu'il est à l'étage? Ah, ouais, il va monter. Je sais pas si c'est bien de mettre la lumière, il risque de me repérer. Bon, j'espère qu'il dégage. Ok, bon, c'est pas aussi simple que ça. Donc il va nous faire chier encore. Bien, bien, bien. Ça va sur le chat, ouais? Vous êtes pas encore fatigué? Il est 23h50 déjà. Alors où est la clé? Où est la clé? Elle est là. Sur la table. Tellement simple. Il va falloir faire un truc pour qu'il parte. Et qu'il laisse la table. Ça va bien et toi? Ça irait mieux si j'avais pas un sale cuistot qui est en train de cuisiner à côté de ma clé. Mais sinon ça passe. Qu'est-ce que je peux faire? Elle doit tourner là, mais. Aïe. Donc il y a juste un créneau. Quand il se tourne. Faut vraiment aller vite alors. Le problème c'est que là il reste de me voir. Ah, il m'a vu. Ah merde, je peux pas aller sous la table en plus. Ah, je pensais pouvoir aller sous la table, ça marche pas. Crotte. Crotte, crotte, crotte.
Non mais non mais non, il m'a déjà vu. Vas-y, cours. Putain, mais ça... Putain, c'est trop rapide ce truc. Le pire, c'est que j'aurais pu là la choper, la clé. Celui qui croit que je suis sous la table. Ça pue, ça pue. Je sens pas. Putain. J'ai eu tellement chaud. J'ai eu tellement chaud là. J'ai sué. Là, bien sûr, il va pas se retourner, c'est ça? Pas avant un moment. Allez, vas-y, retourne-toi, que je puisse choper cette clé. Ah là là. La chance, oui. Non, c'est le talent. Ouais. Non, c'est là, franchement, c'est la chance. Une part de chance. Par contre. Eh hey, mais c'est dégueulasse en fait, c'est coller un visage sur... C'est même pas son visage à lui en fait, je crois. C'est juste de la peau qui s'est collée dessus. Bon, à part ça, il se tourne quand? Va pas bouger, c'est ça? Il va rester là? Je fais comment moi? Je vais quand même pas lui piquer la clé sous le nez. Ok, bon, on va faire croire que je suis sous la table. Non, 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 mais bon, trop tard. Faudrait que j'arrive à faire croire que je suis sur la table et après je me barre. Bon, il y a le culot, c'est ça? Alors j'ai qu'une opportunité et pas la gâcher. La seule opportunité c'est quand il va se retourner. Une fois et pas deux. La pièce à gauche. Ah, pas con. Ah mais théoriquement il est censé se retourner là et... Voilà, la pièce à gauche. Ah bon là... Pas rien. Ah putain. Ouais, je suis allé... Je suis allé au mauvais endroit. Mais va dans la pièce à gauche en te faisant repérer ou en te faisant pas repérer, c'est une grosse différence. Hein. Oula! Putain, 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 putain!
chance. J'ai une chance, j'ai une chance. Putain. Vite. Ah, trop tard. Ouais, bah, c'était un peu trop ambitieux là. Quand il me cherche, je peux pas trop choper la clé. Oui, mais c'est bon, j'ai passé derrière lui, mais... Allez, il se gratte sous la peau. Non mais lui il bouge pas en fait. Ah, il y a peut-être un truc à activer, ça va faire du bruit. Et lui il va arriver. Ouais, si j'ai activé le hachoir. Non, il m'a vu. Ah. Putain, mais c'est pas ça que je voulais faire. Merde. Bon. Oulala. C'est un truc, si on peut déplacer les casseroles. Bon, le problème c'est qu'il me voit, il ne va me repérer. Non. Merde, il a déjà arrêté le broyeur. J'espère que je vais pas tout me retaper. J'ai un peu peur, je crois que si. Ouais, bien sûr, c'est des vicieux. Et je vais tout me retaper. Merci. Merci le jeu. Ah les salauds. Putain. C'est ça, excite-toi sur ta viande. Non. Putain, il m'a chaud. Je l'ai.
suis en train de me poser la question si je vais pas d'abord voir ce qu'il y a à faire en bas. Ah bah ouais, non, non, là il me repère. Putain, mais saute, qu'est-ce que tu fous? Ah putain, là, ça marche plus. J'arrive plus à appeler l'ascenseur. Bah oui, c'est lui qui vient dans l'ascenseur. Ah putain, ouais, ok. Ça marche pas, je peux pas. Je peux pas faire comme ça. C'est vraiment... Ça, c'était tellement bien passé avant. Je peux pas, je fais quoi? Putain. Putain, mais sérieusement, il est trop rapidement là. Je sais comment. Ouais, 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 ils sont horribles, ils ont une sale tronche, effectivement. Ils sont super chiants. J'en peux plus de sa sale gueule, hein. J'ai envie de passer au niveau suivant. Un endroit exprès pour se planquer. Ok. Bloqué. C'était ça, merde, c'était ce truc là. Je suis pas sûr qu'il me repère. Je pensais qu'il allait me repérer. Ok, a priori il me repère pas. Et du coup, qu'est-ce que je dois faire maintenant? On peut pas reprendre l'ascenseur. Ce qui est pas très logique. Attends, il y a là. Peut-être je peux m'accrocher au. Ah oui, c'est là.
Ok, c'était bien là. Bon, on va allumer un peu de lumière là. Ouais, c'était tout con. Il fallait juste se planquer. Moi j'ai cherché compliqué. Chaussures. Une ventouse de toilette. Bon. Ok, bah là, on va passer dans l'autre pièce. Forcément, il est là. Il fait la vaisselle. J'ai l'impression. Ouais, ça en fait de la vaisselle. Ils sont deux? Ah non, merde, il y en a deux. Super. Ok, bon, ils sont deux. Deux fois plus de fun. Et une grille, je peux pas passer. Ça, je peux passer. Non, je peux pas pousser la grille. Attention, ma télé est en train de s'éteindre. A priori je peux sortir. Par contre, ah merde, c'est pas le bon. Oula, ouais, un shop direct. Juste une question, Amélie, est-ce que tu penses que le jeu est finissable ce soir ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de beaucoup à faire dans le jeu et il faut faire un stream en plus. C'est juste question logistique, voir comment je m'organise. Si je fais un stream supplémentaire ou si je... j'essaie de finir ce soir. Ah, je finirai pas, donc il faudra quand même que je fasse un stream supplémentaire. Bah du coup, je pense que je vais terminer par cette énigme là, enfin sortir de cette porte, de cette pièce là, et puis après on va arrêter. Il reste assez pour un autre stream, très bien, on va faire ça. Je vais essayer de m'échapper au moins de cette pièce encore. Par contre, comment c'est qui m'a repéré? Merde. Non, merde, il y en a un là. C'est chaud, c'est chaud. Non, je suis mal. Putain, ils m'ont vu. Bon. Ok. Non mais ils sont vraiment pas occupés du tout là.
Où il est passé le second? Ah, il est là-bas. Ok. Ah, il y a du... Mince, il y a du verre là. Enfin, des assiettes cassées. Elle a un nouveau fin bientôt, sans doute alors. Ok. On va faire ça. Voilà un nouveau fin. Voilà un nouveau fin, je vais m'arrêter. Donc je vais devoir grimper sur les poutres de nouveau. Me semble. Attends, ou peut-être je peux ouvrir la porte là-bas. Je sais pas. Ça marche pas, je suis trop loin. Ouais, je peux bouger ça, non? Ça marche pas. A priori, non. Je peux pas atteindre la poignée, là. Corne de bouc, moi j'arrive. A priori je peux pas. Je peux pas atteindre la poignée. Il y a un truc que j'ai pas vu, qu'il faut choper. Non, mais là ils vont me repérer, ils vont me repérer. Bon, je sais pas. Ah bah j'ai de la mousse là, super. De mousse. Ah, il y a un truc là. Oh oh, ah, mais ça c'est pas top. Est-ce qu'il va rester là? C'est ma question. Après, il repart. Je monte là-haut, moi. Comment tu accèdes? Faut bien monter quelque part, non? Oh purée. Je sais pas.
Comment je vais faire pour monter? La pile d'assiettes, déconne. Je dois aller à la pile d'assiettes. Mais ils sont malades. Il est où le second? Bah oui, bien sûr. Bon, moi je saute dans le trou là parce que je vais pas attendre. Cri du cœur, ouais. Cri du cœur, si j'étais. Comment j'ai accédé à la pile d'acide, c'est trop haut. Non, non, ça les con. Putain, mais... Putain. Ouais, là c'est très discret. C'est tellement discret. Oh merde, il m'a vu. Non mais non, mais non. Oh là là. Ils ont pas plus compliqué que ça en fait. Je peux même pas grimper là. Comment je monte? Ah oui, bah oui, non, non, mais j'ai fait le con là. Ok, bah bonne nuit Daddy. De toute façon, je pense que je vais bientôt arrêter là. Ça commence à être un peu compliqué. Comment ils m'ont vu? Putain. C'est sérieux ça? Mais la table, je peux pas monter direct sur la table qui est au centre là. Elle est trop haute. A priori. Pourquoi il monte pas?
Ah ouais. Ah je pensais pas en fait. Aïe 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 aïe. Je fais un terre à me louper. Allez si, je suis loupé. Ah. Et si, et si. Ok, me remettre là. Ah, c'est quoi assez vite. Il y a moyen de le faire sans qu'il me repère. Je crois qu'il me repère obligatoirement. Non mais non mais... Putain. Sérieusement là? Comment il a pu me voir? Ça, ils vont être deux là. En fait, je suis pas sûr. Ah ouais, ouais, je me disais la manivelle est dans l'autre sens. De nouveau. Oh. Ouais. Ok, on tourne dans le mauvais sens. Ah merde, il revient. On va attendre qu'il reparte. Le problème, c'est qu'il y a l'autre qui est à la table. Qui fait le... La vaisselle. Merde, il y a un gars qui accroche, qui m'attend là. Putain. Non, mais non, mais non, mais non. Putain, c'est la merde. Bon, je cours pas assez vite. C'est relou, c'est relou.
en fait, il faut que je pense que je vais me planquer sous une table et pas courir tout le temps. J'ai pas le choix. En fait, faut que j'atteigne la table. Putain, je savais pas qu'il pouvait me choper sous la table. Bon, j'allais voir, mais non, il me laisse pas le temps. Je suis mal. En fait, il fallait que je m'accroche au crochet direct après. Pardon. Mon courir. Sous la table, après un saut au crochet. Vas-y. Vas-y, saute. Trop tard. Trop tard! Putain, ils sont tellement rapides. Ils sont tellement rapides ceux-là. Vite! Putain, non mais non, sérieux, comment je fais là? Ils sont tellement rapides. Ça y est, ok. Ouais, à toi, j'ai pris une demi-seconde de retard et je me fais déjà choper. Ah! Non. Ouais. Alors, est-ce que je... En fait, faudrait pas que je fasse tout de suite, que je fasse un peu. Oula! Oh là là là, j'ai eu chaud. En plus, il me balance des bouteilles pour être sûr que je tombe. Oh purée, j'ai eu chaud. Olek. Ok. Bon, bah, ça me semble pas mal là. Ah oui, c'est vrai, on a dit quand elle a faim. Quand la petite a faim, j'arrête le stream. Je sais pas ce qui va se passer là. C'est assez étrange. Ok. Aïe. Non, il s'est pas accroché. Alors comment je fais pour que ça s'accroche? Il veut pas là. Ah mais c'est parce que j'ai appuyé sur les deux boutons en même temps de nouveau. Plein de cuistots qui sont en train d'embarquer, je le sens. Ça va être génial. On voit l'extérieur du bateau là. On pourrait se tirer en fait. Je sais pas pourquoi on y retourne.
là là, d'accord, ils sont nombreux. Effectivement. Non. Je pense que ça va pas tarder à arriver. Elle commence de nouveau à avoir faim. La musique est inquiétante, hein. Ces gens. C'est pas le moment de tomber, hein, franchement. Là au centre. Je me demande si j'aurais mieux fait de peut-être d'arrêter avant ce passage là. Je sais pas si c'est un endroit où je suis potentiellement repérable. Je sais pas. Bon, peut-être pas. Arrête là sinon. Le problème c'est que j'aimerais arrêter un endroit un peu plus calme. Ah merde! Ah ouais, mais il me voit, il se fait. Ah! Effectivement. Bon, bah, je crois que je sais pas si j'arrête là ou pas, ça m'embête, c'est une partie un peu chaude. Je vais essayer d'attendre qu'il y ait un moment un peu plus calme. Non mais ça y est, bah, c'était repéré direct. Vite, bordel. Ah mais c'est horrible, hein. Il se passe quoi là? Ah mais il est encore en train de... me chercher l'autre. Je sais pas si c'est très prudent d'aller sur une table où on mange. S'il y a une pile d'assiette là. Allez, d'accord. Allez, morphale. La vache. Mec.
Ok, bon, a priori, il faut que je monte un sur la table. Entre là. C'est compliqué. Va me voir là, non? Un voyage de Chihiro, ouais. Ouais, mais ça fait un peu peur leur voyage de Chihiro. Aïe. Ok, donc c'est pas possible de passer par là, a priori. Je tente une dernière fois, et sinon ben, on arrêtera là. Oui, je continuerai la prochaine fois. Ah, y a un trou là, je crois. Il me semble. Y'a pas un trou là derrière? Ouais, c'est bien ça. Ok. Bon bah je vais m'arrêter dans cette pièce là. Juste allumer la lampe. A priori il y a une sauvegarde je pense. Donc on va s'arrêter ici. Et on continuera je pense la prochaine fois. Je vais retourner dans le menu. Ah ouais je vais m'arrêter là. Juste retourner dans le menu de Nitel Life. Non, carrément sortir. Ouais, bonne nuit. Moi, je lance encore une musique de fin stream pour ceux qui sont encore là, qui restent. Et puis, sinon, bah, je souhaite une bonne nuit à ceux qui partent. Et puis, on se retrouvera. On se retrouvera samedi prochain, normalement, si tout va bien. Nous va 22h. Vers 22h. Pour la suite de Little Nightmare, voilà. Donc moi sur ce, je vais couper tout ce qui est micro et caméra. Ah, un porg qui était tapis dans l'ombre pour regarder le stream s'est caché et ne s'est pas manifesté. Et qui a sans doute bien clippé de nouveau cette soirée. Voilà, donc comme dit, on se donne rendez-vous samedi prochain vers 22h. Et puis peut-être pour d'autres streams dans la semaine, notamment j'ai prévu de continuer God of War sur la PS4. Puis après, bon, peut-être quelques streams ponctuels qui ne sont pas forcément tout le temps prévus. Donc à voir. Sur ce, je vais couper le micro et je lance une petite musique de fin de stream et je vous souhaite une bonne nuit. Voilà. Alors.